Alors, de retour à Half-Life 2, on est arrivé à une genre de petite base et il faut que j'aille voir un général. Je vais ramasser ça. Faut que j'aille voir un genre de général, quelque chose. Ça s'appelle Général Cobbett, j'en sais pas. Puis, il va me parler de choses, j'imagine. Il y a un accent british, fait que tu sais tout ce qu'il tire. I'll be right with you. Now, where was I? Ah, yes. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. En fond, c'est Now, un who's going to be the lucky one? bazooka, mais qui est modifié pour être Yes. guidé. Bon, je vais le prendre parce qu'il me le Find a propose. volunteer. Colonel Odessa Cottage at your Ah! service. C'est ce que je disais. Et là, il y a un gunship qui arrive. Les gunships, c'est pas comme ce qu'on s'est battu tantôt dans la rivière. C'est carrément quelque chose de... Parce que je comprends, c'est carrément vivant. C'est comme un... Ils ont mis des guns après. Ou quelque chose du genre. Je sais pas. Puis ça, c'est... Tu tires, puis t'essaies de les pogner de côté. Puis ils sont pas capables d'éviter. Puis ça en prend une coupe. Bon, ok, j'ai manqué mon coup. Là, il a dévié, par contre. Nice, puis on va essayer la prochaine. Ok, mais il est pas mort. Ok, il m'en a mis une autre. Il m'a dévié. Ok, mais il y a pas des balles. Comment les balles? Comment les balles? Ok, nice. Ah, ça fait. C'est qu'il y en a déjà. Je pense qu'il y en a là-bas. Nice, ok. Ah, oh. Ok, je sais plus juste j'essaie d'en rendre là, il y a des Oh, cette fois je vais sauvegarder parce que je vais pas mourir. Ok, et il est down. Wouh! Ça c'était mon cri de célébration. Ok, chill. Bah c'est juste comme une combinaison de comme vivant pis technologique là. C'est comme le Terminator mais il vole. Puis c'est pas le Terminator. Donc là on a un autre gun à notre inventaire. Sort de la vie. Keep going, Dr. Freeman. We know Eli Vance is depending on you. Ok cool, tu fais ta job. Bon écoute. On va reprendre ça et on va continuer notre chemin. Par là. Ah non, ok, j'en viens. Ah oui, 12, 17, je me souviens plus le nombre. C'est quand même, je pense que c'est le niveau le plus long du jeu. De mémoire, ce niveau-là, il finit juste pas. Là. Mais là, non, pas vite, là, on est rendu, je pense, vers la moitié du jeu. Je suis pas certain. Aussi, probablement, si vous regardez mes vidéos, je suis tombé là-dessus. Je vais probablement aussi partir une nouvelle série bientôt. Dans le fond, ce serait juste, pas nécessairement des let's play complets, mais plus des essais de jeux. Peut-être pas des jeux populaires, là, mais tu sais, comme des jeux indie, des trucs dans le même. Juste comme dans le fond, moi ce que j'aimerais faire c'est dans le fond c'est pas jouer avant. Aussi ça c'est une idée que j'ai, sinon ça serait de faire des là mes prochaines Oups, alors, je vais juste sortir de là. Juste en train de faire un sac de je suis pas passé. Ouais, aussi, prochainement, qu'est-ce qui s'en vient sur ma chaîne, j'aimerais ça faire un jeu de 64 sur Emulator. Très, très, très probablement que ça va être GoldenEye. Parce que c'est mon jeu préféré sur 64. Ok, eux, je vais juste les écraser. Oh.
Ok, il manque un. Ah, ben, il est mort. Ouais, c'est ça. Probablement GoldenEye. Très probablement, c'est comme je disais, c'est mon jeu préféré, un de mes jeux préférés de juste tous les temps. Juste m'occuper d'eux. Ok. Ouch. Aussi, ce que j'aimerais faire, ce serait... Ouch. Peut-être me faire un let's play, j'ai Rainbow Six Vegas 2 que j'avais le goût de recommencer à jouer. Je pense que ça pourrait être intéressant à faire. Excusez, je parle un peu lentement, c'est parce que j'essaie de me concentrer, de pas me faire tuer sans arrêt. Lui, je vais prendre mon pro gun. Ah, ok, nice. C'est ça, sinon j'ai Bioshock que j'aimerais bien faire, un let's play. Puis finalement j'aimerais ça aussi faire un jeu un peu plus ancien. Dans le fond, même avant Half-Life 2, je dirais comme... je pensais peut-être Medal of Honor, Allied Assault, j'en ai parlé dans le premier épisode de ma série. Oh nice, là on embarque dans la grue. Et je pense qu'ils vont avoir des gardes pour sortir de mémoire. Ouais, c'est ça. Ici. Ici. Ah, c'est ça. Bon, tu peux prendre des objets et les ramasser, puis les écraser avec. Donc tu peux prendre cette grosse affaire là. Comme ça, tu peux faire genre, oh, wreck your shit. Tu peux faire boum, quand même. Toutes les premières glitch. Mais sinon le but en ce moment c'est juste dans le fond de prendre mon petit véhicule puis de... qui est supposé être juste en bas ici. Ça, ça swing pas mal par contre. Ok, relax. Ouais, sinon quel autre jeu qui m'intéresserait dans les plus anciens, j'ai pas vraiment d'exemple concret là, pour le moment. Aussi, j'aimerais bien ça... ok, c'est une joke, je m'en rends pas mal. Oh my god, c'est... Je vais voir si maintenant je le fais, je m'en rends pas mal. Ah ouais, bon écoutons, faut que je retourne apparemment. Je peux pas tomber d'eau de même, finalement. Je suis fait de ma main en tombant là. Ouch. Moi, comme je disais, j'aimerais ça aussi faire une série qui serait pas un let's play, mais plus comme un... C'est une série de nombre indéterminé d'épisodes où je ferais des... Ok, là je vais tellement mourir. Donc quand je vais avoir le temps de parler, je vais parler, mais... Ok, ouais. Ça serait bon, ok. Ça serait faire une série dans le fond de MMORPG. Comme j'ai bien trippé sur Star Trek Online. Je dois être le seul. Ben, j'aime bien l'émission, puis j'ai joué à ça, puis j'ai vraiment aimé. C'était quand même bien, ça reproduisait bien l'ambiance. Puis comparé à Star Wars Old Republic, il y a des batailles dans l'espace. En tout cas, qui sont... vraiment mieux fait, c'est pas comme un Unreal Shooter là, comme Star Wars était. Ben, je me faisais tirer dessus, mais je sais pas par qui. En tout cas. Donc ça serait une idée de jeu aussi, ben justement comme je disais, Star Wars The Old Republic. Je trippe sur Star Wars pas mal, plus que Star Trek, mais le jeu était comme... La dernière fois que j'ai joué, j'avais pas nécessairement trippé. Là si je peux pas le pogner là, je vais j'avais pas nécessairement comme trippé. Probablement parce que fallait que tu fasses toutes les side quests. Je trouve qu'un RPG que tu dois faire absolument toutes les side quests pour progresser, c'est pas un bon design de jeu. C'est parce que je pense que les side quests dans ma tête, c'est comme le nom dit, c'est comme un extra. C'est une side quest, c'est pas obligé, mais dans ce jeu là, il y a un peu un défaut qui est dans le fond, t'as pas vraiment le choix de faire
ces fameux side quests là. J'ai appris ça un peu trop tard, mais j'ai appris ça pour être rendu assez loin dans le jeu. Parce que le jeu, dans le fond, t'es pas obligé, Star Wars, t'es pas obligé de nécessairement faire toutes les side quests. Jusqu'à un certain point que ton bonhomme il est juste absolument à chier. Puis là, tu te rends compte que, ben là, tu te rends compte que ton bonhomme il est juste pas capable de rien faire, qu'il est pas capable de te défendre. Là, tu te dis, mais demande pourquoi. Puis, tu checkes sur internet, sur des forums, puis là, tu te demandes, pourquoi mon bonhomme il est absolument pas capable de rien faire. Puis ils disent, mais parce que t'as pas fait toutes les side quests. Ok, il était là, en train de m'attendre, il était comme jamais. Ils disent, t'as pas fait toutes les side quests, fait qu'il faut que tu recommences. Puis ça m'a comme frustré, puis j'ai arrêté de jouer. Aussi, le jeu, il est pas exactement ce que j'appellerais pay to win, mais il est un petit peu de genre là, un peu comme Star Trek, l'est aussi. C'est un peu la mode dans-ci de mettre des jeux gratuits, puis dans le fond, faire du pay to win, qui dans le fond, ça va te prendre 6 ans avoir un seul vaisseau, mais si tu payes un 15$, on va te donner 14. Moi, je suis absolument pas fan de ce concept-là. Ok, ouch. Ils vont te dire que c'est correct. Parce que c'est comme, ah, oh, parce que c'est gratuit, tu peux pas chialer. Mais c'est pas mon opinion. Hop, je vais mourir. Ah, shit. Oh wow, t'es pas sérieux, j'ai oublié de sauvegarder. Tabarnak. Ok, parfait, je vais juste tout de suite aller placer mon véhicule. Ah ouais, ça les flips, moi je suis pas d'accord avec l'argument du pay to win. Il y en a qui sont d'accord, comme ils disent, ah, oh, c'est pas grave, parce que tu as le jeu gratuit, tu peux jouer pareil, mais moi j'ai un flip, moi je pense que quand tu sors un jeu pis tu dis qu'il est gratuit, ou comme t'assumes, tu sais, je suis pas contre l'idée de payer. Mais je pense pas que le jeu devrait être je pense pas que payer devrait donner un si gros avantage. Ou sinon, sors le jeu payant, mais mets-le pas cher, puis donne tous les avantages. Ou fais comme Team Fortress 2 a fait, qui est encore moi la meilleure idée, c'est donne le jeu gratuit, qui est dans le fond le jeu complet, mais donne moins de, comme donne un peu de désavantages, qui rend le jeu quand même très très jouable. Et dis si tu dépenses, comme je pense que c'est comme une pièce, même pas, t'as le jeu comme complet. Moi j'aimerais ça, il n'y a pas assez de jeux qui font ça, qui dans le fond, qui est de dire, comme tu peux acheter le, il y a des jeux que tu peux acheter comme le jeu complet ou tu peux jouer gratis, mais il y a des jeux comme Star Wars The Old Republic puis Star Trek Online qui est comme pas ça, qui dans le fond tu peux payer pour acheter des affaires mais pas acheter comme un abonnement mettons. Et moi ça me tape sur les nerfs, les jeux qui font ça. Il y en a qui, il y en a qui ça leur dérange pas, ça me dérange. Et drop, ça a absolument rien donné. On va se prendre mon petite affaire là. Ah, tout joli. Hop, ça va. Ok. J'essaie de dropper ça sur lui. Regarde, je vais juste sortir et je vais tirer. Je pense que ça va être plus simple. Ah, ok, parfait. Mais ça, le fameux free to play là, qui rendait un peu la mode, je sais pas pourquoi, on dirait qu'en plus ce qui m'énerve surtout c'est pas que le principe du free to play est à la mode. Puis c'est incomprenable, je veux dire, tu sais, l'industrie du jeu vidéo, je pense que avec le piratage puis tout, si tu veux acheter un jeu, tu vas l'acheter. Je pense que c'est un peu le même avec l'art ou d'autres. Autant que ce soit cinéma, musique, c'est que avec internet c'est tellement facile que je pense que si quelqu'un veut acheter, va acheter. Donc mettre des jeux gratuits c'est pas nécessairement un désavantage. Bref. Ok, il faut une balle si on dirait. Ok, drop ça là. Là, faut juste que je prenne juste cette poutre là à terre pour faire tomber le pont.
Oh, et aussi quelque chose que je voulais parler en regardant ma liste qui est dans ma tête. Je voulais parler du Humble Bundle. S'il y en a qui connaissent pas ça, l'Humble Bundle, c'est pas quelque chose de drôle à dire ça. Dans le fond, c'est une œuvre de charité. Puis hier, je me suis pogné 8 jeux, des très bons jeux en plus, pour 5$. Et dans le fond, c'est une œuvre de charité. Puis tout l'argent va dans le fond à diverses. C'est pas tout le temps la même. Oups, ça m'a explosé en face, c'est pas ça que je voulais faire. Dans le fond, c'est que c'est des compagnies s'associent avec Humble Bundle. Cette compagnie-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend l'argent. Je peux pas vraiment parler à partir. Oui, bon, ok, Humble Bundle, c'est ça. C'est dans le fond, c'est des compagnies qui font affaire avec des œuvres de charité. Puis à travers Humble Bundle, donnent des jeux. Puis ils disent, mais payez ce que vous voulez. Et l'argent va à la charité, dans le fond. Puis il y a des très bons deals là-dedans. Par exemple, hier, j'ai pas mis 8 jeux, c'était Ark Must Die 1 et 2, Sanctum 1 et 2, Garry's Mod, Serious Sam 3, Magicka, puis Natural Selection 2, qui est un jeu qui est sorti quand même récemment. Puis il y a eu des très bons deals. Je veux dire, je pense que je me suis acheté comme 30 jeux avec ça. Pour ça m'a même pas coûté encore 20$. Oups. Ok, je me suis fait mal avec la table, c'est pas sérieux. En tout cas, il va y en avoir qui vont sortir très très probablement. Ah, je suis là. Et enfin, il y a des vraiment bons deals. Je me suis acheté le... Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont acheté ça. C'est le EA Games Bundle. C'était dans le fond Battlefield 3, Sims 3, Medal of Honor, Mirror's Edge, Crysis 2, Dead Space 1 et 2. 1 et 3, c'est ça. Pour comme... C'est ça, j'ai payé genre 5$. J'ai aussi pogné le Warner Brothers pack, qui était dans le fond... qui était dans le fond... excusez, je suis en train de... Ouais, bon. Qui était... les deux Batman... Fear 1 et 3. Il y avait aussi qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait j'ai oublié. En tout cas, je me suis acheté comme... Puis vraiment, c'est une bonne cause en plus. Ça va. Moi, je donne tout. Tu peux donner comme à la compagnie, mais moi, je donne tout à charité. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, je conseille de regarder ça. Moi, je check à chaque semaine les deux qui sortent. Puis il y en a pas un qui vaut pas la peine. Il y en a un moment donné, c'était des jeux de cellulaire, iPod ou Samsung ou genre, je sais pas, n'importe quoi que les jeunes utilisent. Je sais pas si je peux le péter. Lui. Ok, je vais la pas. Oh my god, je l'ai pas eu. Ok, tu tombes en bas. Game over. Puis on va assumer Gordon Freeman est mort. Mais j'ai pas assez de rocket pour le pony, fait que je vais juste comme... Je me demande si je peux comme le sauter dessus quand il est proche du pont, genre, comme là. Genre. Kawabunga! Trop beau, ok. Dans quoi, il y a un Humble Bundle, je dirais de regarder ça, ça vaut vraiment la peine. Ok, je vais juste sortir de ça. Je pense que c'est-à-dire que cette fois il va s'en aller par contre. Non, ok. Parfait. Oui. Comme je disais, il est très long le niveau. Puis si vous pensez qu'on est proche de la fin, pas du tout. Je vais juste ramasser ça. Cette lambda. Je sais pas si ça y fait du dommage, je suis tiré dessus avec ça depuis tout à l'heure, mais je sais pas. Je veux juste assumer que non, mais anyway, c'est un loading, fait qu'on va être correct. Ouais, c'est ça. Half-Life 2 qui a pas tant de niveaux, mais vraiment, ces niveaux-là sont tellement complets que c'est... que le jeu a je pense, comme 6 ou 7 niveaux seulement. C'est pas beaucoup, mais
Vraiment, ils sont tellement longs que ça feel comme s'il y en avait... Ah, ça c'est le truc qui se colle à toi, qu'il donne des chocs électriques. Comme ça. Éventuellement, ça fait que ouais, ils détraquent les affaires. Ok, je vais juste débarquer, je vais les enlever. T'épingles, dégarache, t'épingles, dégarache, fin d'histoire. Et tu continues ton chemin. Si la mémoire est basse, ah, il y en a d'autres. Touchez-moi pas, touchez-moi pas. Je pense pour what the shit. Ok. Ah ouais, il m'a pas pété dans la face lui. On s'améliore, ok. Ouais, comme je disais, Half-Life c'est un jeu d'enfant qui prend son temps. C'est quand même le fun, parce qu'il y a pas beaucoup de jeux qui font ça. Si on prend par exemple les jeux populaires en ce moment, genre... voyons, Call of Duty, Battlefield, trucs quand même. Souvent, c'est des jeux qui sont comme, très rapides. Faut qu'il se passe 14 affaires, tu vas partout dans le monde. Tu guéris le cancer, tu sauves toutes les guerres, tu fais comme 14 000 affaires en comme une semaine. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que ça se passe en quoi, comme 24 heures, même pas. Puis les niveaux sont longs, il y a des longueurs même, j'irais jusqu'à dire, mais c'est comme des bonnes longueurs. Si je pense que c'est ça qui fait un... Comme je dis, je pense que c'est ça qui fait Half-Life est vraiment un jeu comme exceptionnel. Je suis là. Ok. Ok, je veux savoir de où ils sortent, disons. Parce qu'ils ont littéralement sorti nulle part. Hein. Ok, je pense que c'était juste ça. Mais sur ça, je vais mettre fin à cet épisode et je vous dis